tout ce que j'ai à offrir à ce monde. Je suis la perfection que tu recherches. Ah!
Les larmes de l'amour sont les plus amères, et aucune larme n'avait été aussi douloureuse que celle jaillissant du cœur brisé de la déesse de l'amour. Ah non, je vais vomir, hein. C'est pas comme si Aphrodite s'était jamais fait larguer. Zeus, ce n'était pas une rupture. Il est mort. Je... Bon, d'accord. Ah! 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 Ah!
Phénix aurait pu jurer que les larmes versées par Aphrodite à la mort d'Adonis pesaient plus lourd une fois sorties des enfers, comme sublimées par le chagrin. Ayant récupéré les trois larmes, Phénix entreprit de racornir la racine la plus vivace d'Aphrodite et d'ouvrir sa crypte. Oui. Non, rien. Oublie. Muse, Muse, conte-moi les actes d'Aphrodite l'adorée, qui subjugue les mortels, les oiseaux et les créatures terrestres ou marines. Offre-moi un chant, éveille en moi de douces et torrides passions. Hé, hey, doucement, d'accord? Je te rappelle que c'est de ma belle-fille que tu parles.
livraison express des pommes d'Aphrodite. Hey, des pommes gratuites pour les affamés. Espérant que la racine débloquerait l'accès à la crypte, Phénix versa les larmes. Non ! Non ! Adonis, mon amour ! Qu'est-ce qui me fait penser à toi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Oups ! Je ferais mieux d'aller voir Aphrodite. Aphrodite aimait profondément Adonis. Et moi, je l'ai marié à Héphaïstos. Oui. Adonis était tout pour elle. J'ai laissé ce sanglier le tuer. Tu as quoi ? Enfin, c'est pas moi qui l'ai tué, mais je n'ai pas non plus essayé de le sauver. Je n'ai pas écouté Aphrodite. Aphrodite, je t'en prie, dis-moi ce qui ne va pas. J'apprécie tes efforts et que tu aies voulu m'aider, mais ce n'était vraiment pas la peine. Je me suis dit qu'en déplaçant la racine, je pourrais atteindre ton... Je peux bouger mes racines quand bon me semble. Enfin, depuis que tu les as arrosées avec l'écume de mer. Bref, merci.
mais ce n'est pas ton rôle de t'inquiéter de mon essence. Attends une seconde. J'ai supporté tout ça, tes larmes, ton horrible gentillesse, et pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hermès, toutes mes jalousies mesquines et mes croyances égoïstes sont enfermées. Pourquoi aurais-je envie de les retrouver ? D'accord, il y avait plus charitable que toi, mais ce n'est pas tout dans la vie. Tu te souviens comme nous aimions potiner à propos des autres dieux et rire des ceintures grotesques des rats lors des fêtes ? Elle ressemblait à une carotte desséchée avec cette étoffe couleur moutarde. Ah non, aurais dû être meilleure que ça. Je n'ai pas été à la hauteur. Paradès, mais comment ça, pas à la hauteur ? Selon quelles normes ? De quoi est-ce qu'elle parle ? Ah, ça, aucune idée. C'est inutile. Elle refuse d'entendre raison. Tu n'as qu'à essayer d'insulter d'autres dieux ? Non, il n'y a que moi que ça amuserait. Les bonnes actions sont nécessaires, mais pas celles d'Aphrodite. Son caractère rendait le monde plus intéressant. Elle donna du piquant aux choses, tu vois ? Elle a littéralement changé le monde. Après tout, c'est elle qui a lancé la guerre de Troie uniquement pour qu'on dise qu'elle était la plus belle. Eh ben voilà. Je doute qu'on ait le temps de déclencher une guerre, Hermès. Non, non. Nous allons lui rapporter ce qu'elle a gagné par sa vanité. Une chose à laquelle elle tenait tellement qu'elle a laissé le monde partir en guerre. En la voyant, elle redeviendra elle-même. La pomme de la discorde ? La pomme de la discorde. Je vais la retrouver au plus vite. Bien, parce que là, elle est très pénible. Si je m'aventure à critiquer la coiffure de Perséphone, elle me parle des pauvres. L'angoisse absolue. Ah non, ça, l'ancienne Aphrodite me manque.